plus de mois. La nutrition, il ne fallait pas dire deux, la nutrition qui a été pendant longtemps traitée en parents pauvres est dans tous les agendas. Donc à l'ordre du jour, que ce soit en Haïti ou ailleurs. Après le lancement de la pyramide alimentaire, l'atelier sur l'agriculture de santé publique, la publication des résultats de l'étude sur le Moringa, nous sommes aujourd'hui présents à la cérémonie de lancement de la stratégie de fortification alimentaire, un concept que nous allons découvrir dans les différentes présentations prévues. Le consensus de Copenhague, qui porte les dossiers les dossiers du jour, excusez-moi, est un projet lancé en 2004 qui cherche à établir les priorités pour faire avancer le bien-être de l'humanité en se basant sur la théorie de l'économie du bien-être. À travers le monde, les situations difficiles que vivent les populations, particulièrement dans les pays à faible moyen économique, et qui présentent également des degrés de vulnérabilité énormes, nous vivons ce que nous pouvons ce qu'on appelle couramment le réchauffement climatique, les maladies infectieuses, les conflits, les crises en éducation, les crises financières, la lutte, la malnutrition et la faim, la migration, les problèmes d'assainissement et d'urbanisation, l'accès à l'eau potable. Je pourrais allonger la liste, mais j'en passe. Tous ces problèmes nécessitent des solutions appropriées et adaptées afin de permettre à la population ou aux communautés de vivre décemment et sainement. Dans cet ordre d'idées, et je cite, Haïti priorise une approche de plan de développement alternatif, concept qui suit l'approche du consensus de Copenhague, a pour but d'améliorer les priorités en matière de dépenses. Et pour garder le cap sur Haïti, pays émergent en 2030, qui est un vœu du gouvernement, les autorités ont le devoir de prioriser des interventions capables d'apporter des solutions durables pour une population en santé. C'est avec plaisir que je vous informe que le ministère de la Santé a toujours eu comme cheval de bataille l'éducation, en général dans tous les aspects, particulièrement l'éducation nutritionnelle. Alors je dirais l'éducation nutritionnelle, la supplémentation à partir des nutriments distribués dans les services de santé, la fortification à domicile avec les poudres de nutriments données aux familles, ce sont tous des interventions qui ne donnent pas les résultats escomptés. Alors, le ministère de la Santé publique et de la Population a décidé de considérer la fortification industrielle qui fait l'objet de notre présence ce matin. Je vous demande donc de porter une attention soutenue aux présentations qui vont être faites. Et sans plus tarder, Madame la Ministre, j'ai l'insigne honneur de vous passer le micro pour votre discours de circonstance. Au nom de son Excellence, le Premier ministre, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, qui n'a pas pu être présent parmi nous ce matin, au nom du ministère de la Santé publique et de la Population, et en mon nom propre, j'ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette activité qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions prise par le secteur pour attaquer de manière frontale la problématique de la surveillance nutritionnelle à travers le lancement de la stratégie dénommée fortification alimentaire. En effet, voilà bientôt 2 mois que le ministère de la Santé publique et de la Population s'est engagé dans une vaste campagne de promotion d'une alimentation convenable durant le cycle de vie saine avec le support de l'USAID sous le couvert d'une pyramide alimentaire véritablement haïtienne. Cette campagne de sensibilisation s'est rapidement enchaînée avec le premier atelier sur l'agriculture de santé publique
en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et l'Union européenne. Une fois de plus, nous voici réunis encore ce matin avec le support de l'USAID pour lancer la stratégie de fortification alimentaire. Question de montrer la détermination du gouvernement Moïse Lafontaine de s'attaquer aux causes profondes de la malnutrition en Haïti qui constitue une limitation de taille au développement économique et social du pays. En effet, s'il est vrai que la malnutrition demeure un défi majeur de santé publique en Haïti, il est aussi vrai qu'elle touche une grande partie de la population et plus particulièrement les femmes et les enfants d'âge préscolaire. Ainsi, de toutes les différentes formes de malnutrition, la moins visible et la plus oubliée de toutes est la malnutrition chronique avec ses corollaires comme les carences en fer, vitamine A, iode et zinc et qui se manifestent par un retard de croissance entraînant des séquelles irréversibles à l'âge adulte. Selon la dernière enquête nutritionnelle réalisée en 2012, 24% des enfants haïtiens souffrent de la malnutrition chronique, dont 37% d'entre eux sont âgés de 18 à 23 mois et entre 8% à 11% selon les nouveaux standards de croissance de l'OMS, sont sous une forme sévère. Que dire de la vitamine A, dont la prévalence reste encore élevée, et cela après 42 ans d'intervention institutionnelle et communautaire visant à réduire l'incidence et la prévalence de cette carence en vitamine A. En dépit du fait que la supplémentation en gélules de vitamine A fait partie des activités routinières du paquet essentiel de services, on peut dire que plus de 50% des enfants de moins de 5 ans sont confrontés à des problèmes sérieux d'avitaminose A, induisant comme conséquence sous-jacente 24% des décès infantiles. À ceci s'ajoute l'anémie par carence en fer acide folique pour laquelle les statistiques actuellement disponibles pour Haïti sont réellement alarmantes car affectant des tranches considérables de la population, 61% des enfants de 6 à 59 mois, 59% de femmes enceintes, 34% de femmes allaitantes, et 25% d'hommes. Ceci nous amène à faire de la lutte contre cette déficience une priorité pour le pays. Et pour cela, nous allons devoir compter sur le support de tous nos partenaires d'hier et d'aujourd'hui, tout en mobilisant nos propres forces. Concernant la carence en iode, il est évident qu'elle constitue un problème de santé publique avec 59% des enfants de 5 à 12 ans qui présentent une carence modérée et 25% avec une déficience sévère. Toujours dans ce survol des différents problèmes de micronutriments, nous devons avouer que la carence en zinc n'est pas bien connue et qu'il y a de fortes corrélations qui justifient qu'elle constitue un important problème de santé publique du fait des symptômes de dermatite, retard de la croissance, diarrhée, troubles mentaux, infections à répétition. Pour nous résumer, nous pouvons dire que les carences en micronutriments sont souvent qualifiées de faim invisible car elles se développent progressivement dans le temps, entraînant souvent des dommages irréversibles sur l'organisme humain.
Voilà pourquoi, à côté des programmes d'éducation sanitaire et nutritionnelle existants, et en plus des activités de supplémentation qui se dispensent aussi bien en routine que dans les campagnes de masse, le MSPP a intégré dans ses composantes la stratégie de fortification à domicile et industrielle comme moyen le plus efficace, sûr et à faible coût pour prévenir et lutter contre les carences en micronutriments. La fortification nutritionnelle alimentaire est une stratégie largement reconnue et soutenue tant au niveau mondial qu'au niveau national afin de réduire les carences en micronutriments. Elle implique en premier lieu le secteur privé, permettant ainsi de toucher le plus grand nombre de façon durable. C'est d'ailleurs pourquoi, pour éviter la réémergence de la carence en iode sous une forme subclinique, comme c'est le cas dans d'autres pays alors qu'elle y avait été éliminée, cette loi sur la fortification, la toute première du genre en Haïti, encourage l'utilisation du sel iodé à l'échelle nationale et cela de façon pérenne. Mesdames, Messieurs, souffrez que je remercie publiquement au nom de toute la population le Parlement haïtien qui nous a dotés de cette loi qui témoigne de la volonté et de l'engagement d'Haïti de s'attaquer aux problèmes sociaux d'ordre structurel qui entrave le niveau de développement économique et social du pays et dont les bénéfices vont à coup sûr changer les paradigmes de l'indice de développement. Le temps est à l'action et il y a urgence d'agir. Oui, ensemble, nous le ferons. Je vous remercie de votre attention. Dans ce pays, nous avons... où nous vivons actuellement des problèmes au niveau du cadre légal, ce que nous appelons cadre légal, tant au point de vue manque qu'au point de vue, je dirais, désuétude, parce que les lois sont très anciennes. Mais pour la fortification, et la ministre vient de vous dire, la loi existe déjà. Donc, j'ai le plaisir de passer le micro au docteur Jocelyne Marron-Pierre, directrice du programme de nutrition au niveau du ministère de la Santé publique et de la population pour vous parler de cette loi sur la fortification. Pour nous de l'Assemblée, c'est vraiment un bébé qui finalement est arrivé à terme et en bonne santé avec maman vivant, poids de naissance normal, initiation précoce à la nutrition convenable. C'est ainsi que j'aurais pu introduire la première loi de la sur la fortification alimentaire en Haïti, dont le ministre vient de parler, et pour laquelle vous allez avoir chacune une copie. J'ai décidé de ne pas faire une présentation PowerPoint, car les gens pourraient être un peu dissipés. Mais si avec moi vous parcourez, vous pourrez voir combien la loi, elle est simple et elle répond à un problème réel. La ministre a parlé de l'alimentation convenable. Oui, avec l'USAID, pendant 4 ans, nous avons travaillé sur le nouveau patron alimentaire à proposer. Et vous avez avec vous la pyramide, qui reprend la plupart des aliments haïtiens. Juste à côté, nous avons l'effort du Marne pour compenser les besoins énergétiques et en protéines de la population. Mais cependant, nous avons encore et toujours avec nous les principaux problèmes auxquels nous faisons face
dans la population infantile qui va être notre population de production. Aussi, suite à une étude réalisée en 2005 sur la prévalence de la vitaminose A en Haïti et de la carence en fer, en iode, excusez-moi, l'UNICEF nous a permis, avec le support technique de l'IHE, de voir que, après 30 ans, les statistiques ne se sont pas améliorées. La carence en vitamine A restait encore, après 30 ans de supplémentation, un problème de santé publique. Et on a pu constater, selon les résultats, que ce n'était pas un problème infectieux qui expliquait la carence. Elle était due à un manque de consommation d'aliments source en vitamine A. Et 15 jours avant l'enquête, aucun enquêté n'avait un phénomène morbide. Donc c'était vraiment les disponibilités biologiques qui n'étaient pas. De là est sortie la stratégie fortification quand on l'a expliqué au ministère de la Santé qu'on ne peut pas continuer seul avec la supplémentation. Avec le support de l'USAID qui a initié le premier comité de fortification, avec l'assistance technique du Programme alimentaire mondial et de l'UNICEF, nous avons commencé en 2007 à réfléchir sur l'introduction de la fortification. Nous avons eu le 12 janvier, tout a été mis en plan. Mais après le 12 janvier, en 2011, nous avons bénéficié d'une mission d'expertise de l'USAID qui finalement nous a ouvert la voie sur la fortification en identifiant pour nous l'aliment véhicule qui pourrait être utilisé et les recommandations quant aux proportions de fortifiants à utiliser. Mais de 2011 à aujourd'hui, on a encore longtemps travaillé et comme il était plus facile d'aller avec l'iode parce que les recommandations de l'OMS étaient disponibles, Haïti a avancé. Voilà pourquoi vous avez l'aîné de la fortification devant vous qui est la réponse de la carence en iode. Le Parlement rencontré et à qui on a expliqué, on a justifié la loi, on a trouvé une réponse sociale et une réponse de développement. 52 échantillons de sel analysés au laboratoire de l'usine de production de sel de la Cité militaire se sont révélés négatifs par rapport à la teneur en iode selon les recommandations de l'OMS. Je ne dis pas que dans les échantillons, il n'y avait pas de l'iode, mais le type qu'il faut pour Haïti n'était pas utilisé pour les sels importés. Donc, quand on a fait le test de présence, tous les sels que vous avez achetés au supermarché n'avaient pas le type d'iode dont les organismes haïtiens en ont besoin, même ceux qui vivent en Haïti et qui ne sont pas haïtiens, ne vont pas trouver la quantité d'iode nécessaire parce que le climat oblige l'organisme à faire des changements métaboliques majeurs. De plus, quand on a évalué l'engagement d'Haïti à l'audition universelle du sel, Haïti est le seul pays de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes à encore être listé comme ayant un problème de carence en iode. Voilà pourquoi, dans les propos de la ministre, elle a interpellé les partenaires d'hier et d'aujourd'hui pour l'aider à sortir Haïti de la liste des pays à risque de carence en iode. Le seul pays de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et quand nous avons rencontré le Parlement et qu'on leur a expliqué cette justification, ils nous ont
tant au niveau de la Chambre du Sénat que de la Chambre des députés, donner leur aval. Et le 6 février, vous avez pu, Haïti a pu bénéficier de la loi qui oblige maintenant les importateurs à utiliser ce qu'il faut, les producteurs à faire ce qu'il faut, et les moulins d'Haïti qui nous ont accompagnés depuis le début et qui veulent rentrer dans la fortification comme réponse, attend le lead public de l'État pour le faire. Mais entre-temps, le SAID est revenu à la barre parce que, je le répète, les premières belles années en nutrition, je les ai connues avec le SAID, voilà pourquoi je suis encore en nutrition. Et je dis toujours au docteur Desinor, vous ne pouvez pas me laisser tomber, il faut sortir Haïti de la liste des pays rouges pour carence en iode. Nous empêchons à ce que l'Amérique soit déclarée libre de carence en iode. Et vous y êtes là, la ministre vient de dire qu'ensemble nous le ferons. 2018, Haïti ne doit plus être dans la liste des pays avec carence en iode qui empêche la déclaration de l'élimination de la carence en iode pour la région. Une loi simple, 5 visas, 7 considérants. Donc, on ne vous donne pas beaucoup de travail. 5 visas, 7 considérants et 3 chapitres. Un premier chapitre qui regarde la carence en iode, problème de santé publique en Haïti, 1978, 4%. 1990, 10%. 2012, 17%. Donc, si on n'intervient pas, la situation va se détériorer. 2 cas de crétinisme, c'en est assez. La carence en fer, vous venez de vivre avec la ministre sur les statistiques. Quand les hommes sont frappés de carence en fer, c'est que la situation est vraiment grave parce que nous avons un patron culturel qui donne la meilleure et la grosse part aux hommes. Donc, si ce sont eux qui reçoivent les plus grosses portions et qui, malgré tout, présentent une carence en iode, qu'en est-il du pauvre enfant de moins de 5 ans ou de la femme enceinte et allaitante? Donc, il nous faut agir sur la carence en iode. C'est le deuxième, la carence en fer, c'est le deuxième chapitre de la loi. Et vous venez d'entrer avec la ministre de la Santé, 42 ans de supplémentation en vitamine A et on n'a pas encore atteint 50% de couverture. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Kerlin Eliancy. Le docteur Eliancy a fait ses premières armes au ministère de la Santé publique et de la population à titre de résident en nutrition d'ailleurs, qui est de la première promotion des résidents. Elle détient actuellement une maîtrise en nutrition de santé publique. Elle a pour mission ce matin de vous présenter les résultats de l'étude sur la biodisponibilité du fer dans la farine de blé en Haïti. L'étude sur l'absorption du fer de la farine de blé était réalisée par le ministère de la Santé via le bureau de nutrition et avec le support du Laboratoire national de santé publique, le support technique de l'ETH Zurich et le support financier de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Cette étude était pour répondre à une question. D'abord, nous le savons tous que l'anémie est prévalente en Haïti et nos groupes vulnérables sont vraiment touchés. Les enfants de 6 à 59 mois, selon EMUS 3, 65%, EMUS 4, 61% et EMUS 5, 65%. Donc, une évolution en dents de scie qui ne diminue pas vraiment la prévalence. Pour les femmes en âge de procréer, selon EMUS 3, 55%, EMUS 4, 46% et EMUS 5, 49%. Même les hommes ne sont pas épargnés. Les hommes de 15 à 49 ans, 23% selon EMUS 5. Suivant l'OMS, Haïti est classé en prévalence sévère de l'anémie, donc un taux supérieur à 40% dans la partie rouge que vous voyez dans l'encadré bleu.
les stratégies implémentées par le ministère de la Santé publique sont plusieurs. D'ailleurs, le ministre vous en a parlé. On a déjà fait la supplémentation pour les femmes enceintes, la promotion des aliments riches en fer. Ce sont des stratégies qui sont implémentées depuis plusieurs années. On a commencé avec la fortification à la maison. On a passé à la fortification en iode du sel. Mais ces stratégies n'ont pas répondu à cette question. Alors, on devait choisir un aliment de sevrage qu'on devait fortifier. D'abord, il fallait une loi cadre que nous avons maintenant. Docteur Maron vient de vous parler. Donc, la nouvelle loi prévoit l'utilisation d'un prémix contenant du fer, entre autres nutriments. Évidemment, on voulait savoir quel aliment fortifier, donc, comme aliment de sevrage et qui est consommé par les femmes enceintes aussi, par la majorité de la population. Le bureau de nutrition avait proposé la farine de blé. Et cette proposition a été confirmée par un expert qui est rentré en Haïti fin 2012, avec le support technique de l'USAID, bien sûr. Donc, et à ce moment-là, on avait confirmé que c'était bien de choisir la farine de blé parce que c'est consommé par la majorité de la population. Maintenant, il fallait répondre à une deuxième question. Quel fortifiant choisir? On avait déjà choisi le produit qu'il fallait fortifier, mais quel fortifiant choisir? Est-ce qu'on va choisir le ferrus fumarate ou bien le FENAEDTA? De toute façon, ce sont deux mots techniques pour faire la différence entre deux fortifiants qui vont donner des résultats différents. Pour le fumarate ferreux, les avantages, c'est insoluble dans l'eau, il n'y a pas de changement sensoriel prévu, donc pas de changement organoleptique. Pour le fer sodium EDTA, avantage, l'absorption n'est pas inhibée par l'acide phytique que nous avons dans les produits que nous consommons en Haïti comme aliment de base, à savoir les produits céréaliers et les haricots. Et l'absorption n'est pas influencée par l'infection à Helicobacter pylori. Nous savons que dans les pays en voie de développement, la prévalence de l'infection à Helicobacter pylori dépasse 80%. Donc, un fortifiant qui n'est pas influencé par la présence de l'Helicobacter pylori serait bien pour Haïti. Comme désavantage, le coût du sodium fer EDTA était plus élevé, 8 fois plus élevé que le ferrus fumarate. Donc, il fallait vraiment choisir. Donc, dans le contexte haïtien, nos aliments de base contiennent de l'acide phytique, haricots et céréales. L'infection à Helicobacter pylori est prévalente. Et il fallait aussi peser pour le coût parce qu'il faut que cet aliment de base soit accessible économiquement à la majorité de la population. Donc, on devait répondre à cette question, à savoir quel fortifiant utiliser pour fortifier la farine de blé. C'est pourquoi on avait commandité l'étude sur la biodisponibilité du fer. Quel était l'objectif de l'étude? D'abord, on vient de le dire, c'était pour choisir quel composé de fer à utiliser pour fortifier la farine de blé. Donc, on devait mesurer l'absorption du fer de la farine de blé avec ou bien le fumarate ferreux ou bien le sodium fer EDTA. Et on avait mesuré les deux aussi pour voir une combinaison des deux. Ça pourrait diminuer le coût et on devait voir comment ça allait être influencé par les facteurs qu'on vient de voir ensemble. Évidemment, il fallait évaluer l'effet d'une infection à Helicobacter pylori sur l'absorption du fer dans les deux groupes, que ce soit les groupes qu'on donne et fumarate ferreux ou bien on donne fer sodium EDTA. Donc, comme participants, on avait 20 couples de mères et enfants, donc les mères âgées de 15 à 49 ans et les enfants en âge préscolaire. Pour le plan de l'étude, on avait donné 3 repas tests. Dans les 3 repas tests, il y avait un repas test avec le fumarate ferreux, un repas test avec le sodium fer EDTA, un autre repas test avec un mélange des deux. Et la quantité de fer ajoutée était de 4 mg pour les mères et 2 mg pour les enfants. Évidemment, dans le mélange, il y avait 2 mg de fer sodium EDTA et puis 2 mg de fumarate ferreux.
quel repas qu'on avait donné, du pain, parce qu'il fallait mesurer l'absorption dans la farine de blé. On avait donné du pain avec de la vache qui rit et une boisson qui ne contient pas de vitamine C pour ne pas influencer l'absorption. Si vous voyez dans le schéma, on avait fait le screening 7 jours avant de commencer avec les études. Le premier jour, on a donné le premier repas test. Le deuxième jour, le deuxième repas test. 7 jours après, on est revenu pour faire le prélèvement de sang et redonner un autre repas test. Et les participants sont revenus le jour 30 pour un dernier prélèvement. Quelles étaient les caractéristiques de nos participants? Donc, ce sont des femmes et leurs enfants en âge préscolaire, qu'on vient de dire. L'âge moyen des femmes, 24,4 ans. Pour les enfants, 3,41 ans. Pour la taille, 1,60 m pour les femmes, 0,99 m pour les enfants. Pour le poids, 54,5 kg pour les femmes, 14,6 kg pour les enfants. Pour le taux d'hémoglobine dans le screening, c'était 12,6 g par décilitre pour les femmes, 11,3 g par décilitre pour les enfants. On parle des mesures moyennes. Pour le sérum ferritine, 32,2 pour les femmes, 54,9 pour les enfants. Quels étaient les résultats? Donc là, on a les résultats pour les femmes. Et on a vu, si vous voyez dans le petit tableau, la moyenne pour le sodium fer EDTA, c'était plus élevé que pour le fer fumarate. Donc, et l'absorption, on a conclu que l'absorption chez les femmes haïtiennes est 41% plus haut avec le sodium fer EDTA qu'avec le fer fumarate. Pour les enfants, c'était le même tableau. L'absorption du fer chez les enfants haïtiens est 40% plus élevée pour le sodium fer EDTA que pour le fer fumarate. Évidemment, on devait étudier aussi l'effet de l'hélicobactère pylori. Les résultats pour l'hélicobactère pylori ne sont pas vraiment concluants parce que vous voyez que pour négatif, vous avez seulement 2, pour positif, vous avez 19. On ne pouvait pas vraiment comparer. Donc, il n'y a pas de. Les résultats ont montré qu'il y a des effets négatifs sur le sodium et sur le fumarate ferreux. Des effets positifs pour 19%, des effets négatifs seulement pour 2%. Donc, on ne pouvait pas vraiment conclure avec ces résultats. Évidemment, la conclusion serait qu'il n'y a pas vraiment d'influence de l'hélicobactère pylori sur l'absorption, que ce soit le sodium fer EDTA ou bien le fumarate ferreux. Donc, chez les femmes et leurs enfants en âge préscolaire, l'absorption du fer de la farine de blé était 41% plus haut pour le sodium fer EDTA que comparé au fumarate ferreux. Et on a vu que l'infection à l'hélicobactère pylori n'a pas influencé l'absorption. Et que ce soit les deux fortifiants, c'était efficace, l'absorption était efficace pour les deux groupes. C'est ça la conclusion. Donc, qu'est-ce que les experts ont proposé au bureau, au pays, pour la fortification? C'était d'ajouter 60 mg par kilogramme de fer fumarate dans la farine ou bien 40 mg de sodium fer EDTA. Ça, ce sont les données qui sont approuvées par l'OMS. Cependant, selon l'expert qui est venu en 2012 pour évaluer la situation avec nous, le taux le plus sécur serait un taux maximal de 40 mg de fumarate ferreux par kilogramme de farine ou bien 25 mg par kilogramme de sodium fer EDTA dans la farine de blé. Donc, et normalement, nous avons les résultats de notre étude. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme fortifiant dans la farine de blé? Quelle est la quantité qu'il faut mettre? Donc, il nous reste en tant qu'acteur à vraiment plaidoyer pour passer à l'action. Depuis plusieurs décennies, le gouvernement américain, à travers l'USAID, a soutenu de façon inconditionnelle et appuie encore
plusieurs programmes de santé. Le docteur Mahon, après la présentation de la loi, a ouvertement remercié l'USAID et l'apport du docteur Desinor. Alors, nous allons écouter le chargé d'affaires américain, M. Brian Shukan, dans son discours de circonstance. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui avec le ministère de la Santé pour lancer conjointement ce nouveau projet de fortification alimentaire afin d'étendre l'accessibilité des aliments de base de haute qualité et riches en aliments nutritifs capables de prévenir les carences nutritionnelles et promouvoir une meilleure santé pour les Haïtiens à travers le pays. Le manque d'accès à des aliments riches en nutriments entraîne souvent des carences en micronutriments, ce qui constitue une grave menace pour la santé de l'individu. Pour contrer ces déficiences, le processus de fortification ajoutera les nutriments nécessaires aux aliments de base, assurant que les Haïtiens reçoivent nutriments dont ils ont besoin pour vivre plus sainement. Par exemple, les carences nutritionnelles en fer peuvent provoquer une anémie, un problème sanitaire généralisé et grave en Haïti. Pour les femmes enceintes, l'anémie augmente le risque d'hémorragie et de décès et peut entraîner des accouchements prématurés, une insuffisance pondérale à la naissance et des retards de développement chez les enfants. De plus, la malnutrition chronique a des conséquences à vie sur le développement du cerveau, ce qui a un impact négatif sur la capacité du travail et le potentiel économique de la personne. La malnutrition dégrade la qualité de vie des individus et entrave le développement des nations. C'est pour cela que la nutrition et la sécurité alimentaire sont des composants essentiels de notre appui au secteur de la santé en Haïti et à travers le monde. En Haïti, nous avons soutenu des programmes nutritionnels ayant du dépistage et du traitement de la malnutrition à une pyramide alimentaire nationale, lancée le mois dernier en partenariat avec le ministère de la Santé. Fortifier les aliments de base, déjà accessibles à grande échelle, est une approche rentable et durable qui produit des avantages significatifs pour la santé. Le récent rapport du consensus de Copenhague a montré que la fortification alimentaire, en particulier la fortification de la farine de blé, est l'une des interventions les plus rentables pour améliorer le développement en Haïti. En augmentant la disponibilité des aliments de base riches en micronutriments et de haute qualité à travers Haïti, nous pouvons ensemble, représentants des gouvernements, des ONG, des entreprises privées et la société civile, influer positivement sur la vie d'ensemble de la population haïtienne en fournissant l'accès aux micronutriments de base dont elle a besoin pour rester en santé. Cette amélioration de l'état de santé général contribuera à un avenir plus prospère pour Haïti. Dans le cadre de notre appui continu à la nutrition en Haïti, nous célébrons aujourd'hui le lancement du projet Renforcer habitudes nutrition pour faire augmenter santé. Renforcer, qui traite les carences nutritionnelles en ajoutant les micronutriments essentiels aux aliments de base. Le ministère de la Santé et l'USAID ont entamé le processus devant mener l'enrichissement des aliments en 2011 et l'événement aujourd'hui représente une étape cruciale et décisive. Depuis plus d'un an, l'USAID travaille avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires comme le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, pour développer cette activité de fortification alimentaire.
En outre, ce projet s'aligne avec les efforts du gouvernement haïtien exprimés par la loi sur la fortification alimentaire ratifiée par le Parlement en février dernier. Spécifiquement, le projet renforcé visera la fortification de la farine avec du fer et ajoutera de la vitamine A aux huiles végétales et de l'iode dans le sel. En outre, le projet travaillera avec le secteur privé, y compris les producteurs et les importateurs d'aliments locaux, afin d'assurer que les produits alimentaires enrichis soient largement disponibles à travers le pays. Mesdames, Messieurs, je suis honoré de faire partie de cette importante initiative avec la direction de la nutrition du ministère de la Santé publique. Les États-Unis se sont engagés à travailler en étroite collaboration avec Haïti pour assurer la durabilité de ces efforts. Je tiens à remercier le ministère de la Santé ainsi que les partenaires de USAID, partenaires des Amériques et l'Alliance mondiale pour l'amélioration de la nutrition. Avec votre aide, nous continuerons à travailler ensemble afin d'améliorer l'état de santé de la population haïtienne. Merci beaucoup. Du dépistage au traitement, M. Choukan l'a signalé, ce sont les étapes d'appui de l'USAID dans le programme de nutrition. Kounyela, faut aller dans renforcer. Faut renforcer, pour renforcer, n'a pas renforcer. Alors, j'ai l'avantage de passer le micro au docteur Holberg Desinor pour vous présenter le projet renforcé qui fera suite à cet atelier de fortification. Le projet renforcé habitude nutrition pour faire augmenter santé, dont le sigle est renforcé, s'étendra sur 4 ans et vise à la réduction des carences en micronutriments en Haïti. Il sera mis en place par Partners of the Americas, Partenaires des Amériques, et le Global Alliance for Improved Nutrition, l'Alliance mondiale pour la nutrition améliorée, GAIN. L'USAID s'attend à ce que renforcer augmente la disponibilité des aliments de base enrichis et de haute qualité à travers le pays en élargissant la production locale d'aliments fortifiés, en assurant que ces aliments soient largement accessibles et en communiquant des messages clairs et cohérents aux consommateurs sur les aliments enrichis, en ce qui a trait à leurs nécessités et sécurité. Le projet a un ensemble d'objectifs intégrés liés à la disponibilité et à la consommation d'aliments de base enrichis en Haïti. En effet, ces objectifs sont destinés à stimuler et à soutenir largement le marché des aliments enrichis en travaillant avec des acteurs clés du gouvernement, du secteur privé et de la société civile. Les objectifs de renforcer sont les suivants. Augmenter de manière appropriée la disponibilité et l'accessibilité des aliments enrichis et dans la mesure du possible, des aliments de base produits localement à travers le pays. Conscientiser la population haïtienne sur les avantages de consommer des aliments enrichis de manière à augmenter la consommation de ces aliments. S'assurer que les producteurs et les intervenants locaux s'engagent de manière durable à fortifier les aliments pour le marché haïtien et qu'ils acquièrent une capacité adéquate permettant de produire et distribuer une quantité suffisante de ces aliments. Veiller à ce que les principales entreprises locales et les organisations importatrices s'engagent à importer, distribuer et vendre des aliments conformes aux normes de fortification du pays, en vertu de la loi sur la fortification alimentaire ratifiée par le Parlement haïtien et publiée dans le Moniteur en février 2017. Renforcer la capacité du gouvernement haïtien à s'attaquer aux problèmes essentiels
liés à un programme de fortification alimentaire durable et efficace, y compris le développement, l'approbation et la mise en œuvre des normes et des règlements, des systèmes de contrôle et d'assurance de la qualité, et des mesures et systèmes de suivi et d'évaluation. Renforcer améliorera les canaux de communication entre les secteurs publics et privés, améliorera la capacité gouvernementale en matière de sécurité alimentaire et d'inspection, et favorisera la participation de la société civile à la compréhension et à l'approbation de cette stratégie dans le contexte haïtien. Les avantages attendus à long terme dans le cadre de ces activités comprennent la diminution de la prévalence des carences en micronutriments, l'amélioration des résultats à long terme en matière de santé, la réduction de la prévalence de l'anémie, la réduction de la prévalence de carences en vitamine A en utilisant un indicateur commun, par exemple le rétinol sérique, la réduction de la prévalence de carences en iode en utilisant un indicateur commun, par exemple la concentration urinaire en iode. En résumé, la fortification alimentaire est une intervention rentable et hautement efficace qui permettra d'améliorer substantiellement les résultats en matière de nutrition en Haïti. L'USAID est fier d'appuyer le ministère de la Santé publique et le gouvernement haïtien à travers ce projet pour le plus grand bien de la population haïtienne. Merci. Et j'invite à nouveau la directrice du programme de nutrition du ministère. Qui se passe de présentation maintenant? Le docteur Jocelyne Mahon-Pierre à vous présenter les prochaines étapes de cette cérémonie de lancement de fortification alimentaire. Merci, docteur Pierre-Louis. C'est comme une redondance parce que vous avez suivi toutes les séquences. Le diagnostic a été posé, la confirmation a été donnée, la loi est disponible, l'USAID nous apporte la réponse et maintenant, nous devons nous mettre à la tâche. Et la première activité suite à cet atelier de ce matin, c'est la redynamisation du comité de fortification national, non pas le comité avec lequel le ministère de la Santé avait l'habitude de travailler pour arriver jusqu'à aujourd'hui, mais vraiment un comité élargi avec la présence d'un membre du législatif, la présence de l'exécutif, la présence du judiciaire, aux côtés de la technique que nous représentons ici dans cette salle. Ainsi, on aura aussi avec nous la représentation de la présence du secteur industriel, les importateurs, qui ensemble pourront voir comment arriver à une mise en application de cette loi au terme de la période moratoire. Nous avons 6 mois qui devraient commencer à être comptés depuis la publication de la loi, mais comme c'est aujourd'hui que officiellement elle a été lancée, nous avons une période de 6 mois comme moratoire et nous devons travailler pour que, au terme des 6 mois, tout un chacun soit à même de pouvoir engager ou s'engager dans le processus de l'application de la loi au bénéfice de la population haïtienne. Merci. Je pense que déjà, le paquet d'intervention est assez lourd, rien qu'avec une perspective.